sœur de Saint-Vincent. Après ça, Haydn a fini par écrire plus que 70 quatuor accords, c'est énorme. Puis quand on passe à Haydn, le nombre de notes qu'il écrit, c'est pas croyable, mais c'est toujours plein d'inventions. Le quatuor qu'on va jouer ce soir, il écrit quand il y a 65 notes. Presque tous les quatuor accords de Haydn, il y a quelque chose de spécial dedans. Il trouve une petite truc ou quelque chose de fun. Il y a quatre mouvements. Ça commence avec un mouvement vite. Après ça, il y a un deuxième mouvement plus lent, qui est très chantant, qui fait le tour de toutes les harmonies, on peut imaginer. Après ça, il y a un minuet, un trio. Avec un trio, il y a une petite, pas un solo, mais une petite intervention de violoncelle. Et avec le dernier mouvement, je vais juste montrer quelque chose. Il y a un thème dans le dernier mouvement que moi je trouve c'est la petite chose qui va dans tout cette voix, à tous les musiciens. C'est quand tu fais dans le dernier mouvement. Ok, c'est dans l'autre voix de Haydn. Oui, ça va. On a joué hier.